Hi guys, what's up? Franchement, je suis trop contente. Il y a un bête de soleil. Regardez-moi ce soleil. Faut que je mette de l'écran. Anyways. Et je suis désolée si je vous ai pas parlé le matin. Fallait quand même que je me réveille. Donc, on est un jeudi. On va passer la journée ensemble. Du coup, le programme de la journée, c'est assez chill. On va partir à la salle de sport. Oui. Là, il y a des gens qui me disent comment t'arrives à partir à la salle de sport alors que tu jeûnes et tout. Et franchement, c'est que quand je fais mon sport, surtout le matin, j'ai plus d'énergie au cours de la journée. Alors que quand je fais pas de sport, je suis morte à la fin de la journée. C'est bizarre. Alors, je sais qu'hier, j'ai reçu quelques colis. Je commence avec celui-là. C'est le colis des maillots de chez Kaven. On appelle ça Kaven. Kaven. Voilà. Regarde, c'est quoi cette qualité de malade? Les gars, ça me rappelle, aujourd'hui on va booker un vol ensemble. Je te dis pas où. Faut attendre, tu vas découvrir. Oh, trop beau, merci les filles, j'ai hâte de pouvoir les porter et tout. Le deuxième colis, j'avais commencé à l'ouvrir. Vas-y, non? Le deuxième colis vient de Dubaï. Oh my god! Eh, mais c'est tellement beau! C'est encore plus beau que sur les photos, wesh! Je sais pas si tu connais la marque de dattes qui s'appelle Batil. En fait, c'est des dattes. Attends, je vais ouvrir. C'est des dattes luxe. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que c'est des dattes plus. Bah oui, tu as le jour, tu as les dattes que tu manges pendant le ramadan et tout. Mais en fait, imagine que tu pars, t'es invité chez des potes, chez ta belle famille, chez des amis que tu veux, tu vois, pour la première fois et tout. Et en fait, t'as envie de. Je te répète. Et t'as envie d'emmener quelque chose, pas seulement juste un gâteau, tu vois, genre un truc plus raffiné, plus sophistiqué. Ben en fait, Bati, ils font des petites box comme ça, surtout pour Ramadan. Regarde-moi les petits détails. Ah ben ouais, ou pas? Du coup, franchement, je trouve que c'est tellement plus sympa que d'acheter un gâteau à la pâtisserie que tu vas offrir et tout. Oh my god! T'as différentes sortes de dattes, genre la pistache, de l'orange confit. T'as des noix à l'intérieur. Là, par exemple, quand j'étais invitée chez des copines, j'avais emmené un gâteau. Tu sais, j'étais passée à la pâtisserie, j'avais récupéré un gâteau. Mais là, normalement, samedi, on est invité chez Nounou. Du coup, j'ai emmené une box. Je voulais grave emmener un truc plus sympa, tu vois, ça. En plus, tu sais, c'est le truc que tu ramènes et qui va pas rester dans le frigo pour être mangé ou ne pas être mangé post-tour, tu vois. C'est un truc qu'ils vont clairement manger pendant le tour. Petit truc, c'est bâti. Je suis sûre que t'as déjà vu passer sur... Insta ou YouTube, etc. T'as un assortiment de dattes différentes. Du coup, t'as le jhoul, c'est le plus grand. T'as des dattes différentes, tu vois. De tailles différentes. Du coup, même le goût, il va être différent. Donc, clairement, je vais pas te montrer un truc sans te dire si t'as envie de prendre. T'as un petit code promo que je vais te mettre. Je vais te mettre tous les détails en bas dans la description. Profites-en, franchement, je te mets le lien, je te mets tout. Moi, je sais que mon père et ma mère, ils sont toujours invités chez des potes. Ça va être cool de leur prendre ça à emmener, tu vois, même avec eux. Oui, ils sont invités chez des potes sans moi, mais c'est pas grave. Mine de rien, c'est hyper beau, les gars. Je te fais un petit close-up, comme ça tu arrives à voir ça ressemble à quoi, même les détails. En fait, c'est le Luna, le Yasmine et le Alwen Gift Set. Tu vas les trouver sur le site aussi. C'est tellement beau. Petit détail. Et les dates sont organiques, by the way. And, vas-y, on va passer à l'aspirateur. Tu sais, c'est fou, mais en fait... Là, quand je fais mes séances de sport, normalement, j'écoute, tu vois, j'ai une playlist hyper. J'arrive du Kanye West, du. Je sais pas, du Drake. Là, dernièrement, bah, depuis du coup le début de Ramadan, j'écoute pas de musique quand je fais mon sport, mais j'écoute. Je jeûne, les gars. Ma droite, je jeûne, ok. J'écoute des podcasts. J'avais essayé d'écouter des podcasts. Un peu sur l'histoire de l'islam et tout, c'était intéressant. J'ai même des fois écouté des Qissas al-Anbiya, c'était sympa aussi. Mais là, du coup, ce que j'écoute du. Comment on appelle ça? For You from Eve. Je le mettrai aussi si tu veux. Bonjour. When I had started going to the gym, I was so proud of myself because it was something that I loved doing. And it took a while for me to actually fall in love with working out. But at the end of the day, I was like, I did it, and I did it by myself. Now, when it comes to negative self-talk, when I was first going to the gym, it wasn't necessarily to make it a habit only. I wanted to make it a habit,
But I wanted to see results. There were things about myself that I thought I would be a happier human being if I had a flatter stomach. All these things, I was like, well, yeah, I want it to be a habit, but I also want to look different. Gars, là, je sprintais parce que j'ai reçu un mail qui me dit que j'ai reçu mon visa. Et du coup, il faut que je parte le récupérer là tout de suite avant qu'il ferme. Donc, j'ai rentré prendre une douche, faire ma prière et courir. Les gars, j'ai jamais pris une douche et je me suis habillée aussi vite de toute ma vie. AirPods. Pourquoi je me pose? Je suis en retard, vas-y. Calling you, send me. I know you, send me. Darling you, send me. C'est bon, ils l'ont rendu. J'ai mon visa, les gars. On va prendre les billets ce soir. J'ai mon visa. Attendez, j'ai envie de faire une petite danse de la joie. J'ai trouvé un petit, un grand shop asiat. Et j'ai trop envie de me prendre du kimchi. Je regarde tellement de séries coréennes dernièrement, je les vois tout le temps manger du kimchi. Du coup, je vais me prendre du kimchi pour futur. J'espère que je te dérange pas. Je crois que vous êtes déjà sorti du bureau. Et en termes de timing, on est hyper serré. Donc là. Oui, Audrey, ça va? Et par rapport au dernier mail que tu m'as envoyé, là, je viens t'envoyer les pièces jointes, enfin les documents que tu m'as demandé. Est-ce que tu as pu regarder et tu peux me dire si c'est bon pour toi ou pas? Oui, merci. Hi, papa. Ça va et toi? Ce petit garçon, il va me tuer un petit jour. Tata. Oui, tata. Bisous, bye bye, mon cœur. Qu'est-ce que je voulais faire? Finir les mails, finir les mails. Est-ce qu'on a fait toutes les factures ou pas? Voilà, fini. Faut que je parte faire les courses, avec. J'ai fait des tresses. Il reste exactement une heure pour le futur. Finalement, j'ai décidé de cuisiner asiat vu que j'ai pris le kimchi. J'ai bien envie de me faire un petit. J'ai pas de riz. Attends. J'ai pas de riz. Du coup, gros, je vais pas vous faire chier à vous emmener. J'ai pas vous en. Il n'y a pas de. Je vais pas vous déranger en vous emmenant avec moi. Je vais pas vous déranger à vous emmener avec moi pour prendre, pour refaire les courses. Donc je vous dis à toutes. Et en revenant, je crois que je vais me poser, lire un peu de Coran avant de commencer à cuisiner. À toutes. Par contre, il y a un truc. Je crois que j'ai gardé ça depuis quand j'étais gosse, en fait, quand on était dans la cuisine avec maman à préparer le futur. Déjà, on commençait à préparer le futur à 15h. On va savoir pourquoi. Sachant qu'on. Genre, même quand tu n'as pas d'invité, quand tu t'invites classe, tu commences à 11h. Mais bon. Et du coup, j'ai gardé un truc, c'est que quand je suis en train de cuisiner, je regarde toujours soit une série turque, une série coréenne ou une série indienne. Genre, j'ai pris l'habitude. Je sais pas, j'aime bien les. Je sais pas. Ça me rappelle maman. Ça me rappelle quand je suis en train de préparer le futur avec maman. Du coup,
J'aimerais mettre un petit PC et mettre ma série coréenne à côté. Je range les courses déjà. J'aime pas finir de manger et savoir qu'il y a de la vaisselle qui m'attend, du coup je vais toujours avant. On va manger. Yaourt avec mangue, c'est du yaourt protéiné et j'ai saupoudré un peu de cannelle. Le petit plat avec riz, saumon, de la sauce soja et avocat. J'ai les algues à côté, du kimchi et mes petites dattes. Et franchement, ça me cale de ouf. Je prends de l'eau, je mets dans ma petite série et puis voilà. Ma prière et ensuite je mange. Nanou, ouvre la bouche. كيشري عمتي كيشري في عمتي انا بغيت يلا بصحتكم يلا سيروا بيزو اتوت لاف يو باي جو ان بيتي تي ا لا مونت اي جو في ماسوار ترانكيلمون ماما سي شو شاك مومبر دو لا فامي باس لو رمضان كيلكو بار كيعطي شحال زويونه جيتو كتشابهو كل وحده فينا هي اش كديرو اش كديرو انا ما خرجتش من الخدمه انت خارج من الخدمه انت ماما يلا الشريك المريب اللي سبتي لي البارح ها الحلقه الاخرى ماما سبقتيني درتي دوري اي سيت يا دوري مع دو سومون خشيتو في الفران يلا سير انا نمشي نكمل فطوري يلا سير J'espère que t'as pas oublié qu'on devait prendre des billets d'avion. Et voilà. Pourquoi je fais toujours des trucs comme ça là? Bref, je viens de prendre mon billet de réserver l'hôtel. Il est encore tôt. Il fait bon. Du coup, je pense que je vais m'habiller. Je vais sortir marcher un peu. Ça me fait du bien. Franchement, c'était trop cool de pouvoir marcher un peu, ça m'a aidé à digérer. Because you know. Par contre, les courbatures. Alors, du coup, on s'est changé, ce métro lit. Il est un peu plus de minuit. This was nice. Oh god. Franchement, je trouve que c'était une bonne journée. On a fait pas mal de trucs, sport, travail, shopping, récupérer visa, cuisine, prière, marche. En vrai, on a fait pas mal de trucs, booker en vol. Je l'oublie, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que je réalise pas, bref. Donc voilà, c'était une petite journée de Ramadan avec moi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez kiffé. Je crois qu'on est dimanche, tu regardes cette vidéo, c'est dimanche, maybe. Donc j'espère que tu passes un bon Ramadan, que tu kiffes. Si t'es avec la famille, j'espère vraiment que tu kiffes parce que franchement, c'est une vibe très spéciale qui me manque tellement.
Mais bon, voilà. L'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. مبروك رمضان باش ما تمنيتو ان شاء الله بصحة وسلامة و ورضة الوالدين et puis voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis la semaine prochaine il y a tout à l'heure sur Instagram et TikTok